Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous en ce mercredi 10 février sur les ondes de Radio Vatican et Vatican News. Le pape va tenir dans quelques instants l'audience générale. Le Saint-Père poursuit son cycle de catéchèses sur le thème de la prière. Avec vous, Marie-Josée Muendo-Boboalo, pour suivre à partir de la bibliothèque du palais apostolique du Vatican l'audience générale du pape. Le pape introduit l'audience générale par le signe de la croix et la salutation liturgique. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi e con il tuo Spirito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. La lettura d'introduction de l'audience générale de ce mercredi 10 février est tirée de la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Saint Paul y parle notamment d'action de grâce au milieu de toutes les circonstances, rendre grâce à Dieu. L'action de grâce doit affecter le quotidien et doit être exprimée dans les paroles et dans les actes. Parola di Dio. Bientôt la lecture de la parole d'introduction en français. De la lettre aux Colossiens. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et de chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. À présent, les lectures se poursuivent dans d'autres langues. A reading from the letter of Saint Paul to the Colossians. À présent, c'est la lecture en anglais. Nous saluons tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes de Radio Vatican, Vatican Media, Vatican News, YouTube. Également ceux et celles qui nous suivent sur radio et télévision partenaires, notamment sur Radio Salve Regina, Radio Notre-Dame, EWTN-TV, Radio Espérance, Sel et Lumière TV, Radio et TV Catholique Elikia Kinshasa, Radio Maria, République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire, Sancta Maria Network Liban, Voix du Seigneur, Média catholique Canada. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. À présent, la lecture d'introduction en langue allemande. Ce mercredi 10 février, cinquième semaine du temps ordinaire, précède la solennité jeudi 11 février de Notre-Dame de Lourdes que le pape Saint Jean-Paul II a instituée en 1992, journée mondiale du malade. L'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique. Lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses. La lecture d'introduction en langue espagnole. Et retournons à la journée mondiale du malade qui se tient jeudi 11 février. Comme l'a rappelé dimanche le pape François lors de la prière mariale de l'Angelus, prendre soin des malades est une mission intégrante de l'Église. Face à notre condition humaine, si grande dans la dignité et en même temps si fragile, Jésus a répondu à la souffrance non pas en donnant une explication, mais par une présence d'amour qui s'incline, qui se penche, qui prend par la main et relève.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, que a palavra de Cristo, com toda a sua introdução em língua portuguesa, ensinai e admoestai-vos. Retournons à la journée de mardi 8 février, à la fête de Sainte Joséphine Bakita, esclave soudanaise devenue religieuse en Italie, au marathon de prières contre la traite des personnes dans le monde, où le pape François a pris part. Dans un message vidéo, il a livré ses réflexions en reprenant le thème de la 7e édition de cette journée mondiale de lutte contre la traite, une économie sans trafic d'êtres humains. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي. La lettre de Saint Paul aux Colossiens en langue arabe. Et le vendredi 12 février se célèbre le 90e anniversaire de la fondation de Radio Vatican, le radiodiffuseur conçu et construit par Guglielmo Marconi à la demande du pape Pie XI, informe, apporte l'espérance de l'Évangile et la voix du pape dans le monde entier pour son anniversaire et lance un nouveau site Internet et devient également une web radio. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. La lecture d'introduction. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Et retournons sur Radio Vatican qui fête ses 90 ans et franchit cette étape importante au beau milieu de la réforme des médias du Saint-Siège voulue par le pape François. Aujourd'hui, la radio parle 41 langues. Wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa. Dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże. Les 41 langues par lesquelles Radio Vatican transmet sont albanais, amharique, arabe, arménien, biélorusse. À présent, le pape va lire la catéchèse de l'audience générale en italien. Bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans la catéchèse précédente, nous avons vu comment la prière chrétienne sia ancorata. Dans la catéchèse précédente, nous avons vu que la prière chrétienne est ancrée dans la liturgie. Aujourd'hui, nous mettrons à lumière comment, de la liturgie, celle-ci revient toujours à la vie quotidienne, dans les rues, dans les bureaux, dans les moyens de transport. Et là, elle continue le dialogue avec Dieu. Celui qui prie est comme un amoureux qui porte toujours dans son cœur la personne aimée, où qu'il se trouve. In effetti, tutto viene assunto in questo dialogo con Dio. En effet, tout est assumé dans ce dialogue avec Dieu. Chaque joie devient un motif de louange. Chaque épreuve est l'occasion d'une demande d'aide. La prière est toujours vivante comme un feu de braise. Même quand la bouche ne parle pas, le cœur parle. Chaque pensée, même si elle est apparemment profane, peut être imprégnée de prière. Même dans l'intelligence humaine, il y a un aspect orant. En effet, celle-ci est une fenêtre qui s'ouvre sur le mystère. Elle éclaire les quelques pas qui se trouvent devant nous et ensuite elle s'ouvre à la réalité tout entière, qui la précède et la dépasse. Questo mistero non ha un volto inquietante o angosciante. Ce mystère n'a pas un visage inquiétant ou angoissant. La connaissance du Christ nous rend confiants que là où nos yeux et les yeux de notre esprit ne peuvent pas voir, il n'y a pas le néant, mais qualcuno che ci aspetta. Une grâce infinie, quelqu'un qui nous attend. E così la preghiera cristiana
Ainsi, la prière chrétienne transmet au cœur humain une espérance invincible. Quelle que soit l'expérience qui touche notre chemin, l'amour de Dieu peut la transformer en bien. A questo proposito, il catechismo dice. À ce propos, le catéchisme dit, nous apprenons à prier à certains moments en écoutant la parole du Seigneur et en participant à son mystère pascal. Mais c'est en tout temps, dans les événements de chaque jour, que son Esprit nous est offert pour faire jaillir la prière. Le temps est entre les mains du Père. C'est dans le présent que nous le rencontrons, ni hier ni demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, je rencontre Dieu. Il n'existe pas d'autre jour merveilleux que l'aujourd'hui que nous sommes en train de vivre. Qui vit toujours pensando nel futuro, nel futuro. Ma sar meglio, ma non prende l'oggi come viene. È gente che vive nella fantasia, non sa prendere il concreto del reale. L'oggi è reale, l'oggi è concreto. E la preghiera si dà nell'oggi. E c'è la preghiera che lo trasforma in grazia. Incontro oggi. O mieux, qui nous transforme. Questo oggi che stiamo vivendo. Ed è la preghiera a trasformare quest'oggi in grazia. La prière transforme en grâce ou mieux noi. Qui nous transforme. Placa l'ira. Elle apaise la colère. Sostiene l'amore. Elle soutient l'amour. Moltiplica la gioia. Elle multiplie la joie. Infonde la forza di elle donne la force de pardonner. In qualche momento ci sembrerà di non essere più noi a vivere. À certains moments, il nous semblera que ce n'est plus nous qui vivons, mais que la grâce qui vit et œuvre en nous au moyen de la prière. Ma sempre questo, non dimenticatevi. Prendere l'oggi. E pensiamo quando ti viene un pensiero di rabbia, di scontento, che ti porta verso la malessa, fermati. Dici, ma Signore, dove stai tu? E dove sto andando io? E il Signore è lì. Il Signore ti darà la parola giusta, il consiglio per andare avanti senza questo succo amaro del negativo. No? Perché sempre la preghiera, usando una parola profana, è positiva, sempre. Ti porta avanti. Ogni giorno che inizia si è accolto nella chaque preghiera, jour qui commence, s'il est accueilli dans la prière, est accompagné par le courage, si bien que les problèmes à affronter ne sont plus un obstacle à notre bonheur, mais des appels de Dieu, des occasions pour notre rencontre avec lui. Occasione per il nostro incontro con lui. E quando uno è accompagnato dal Signore, ma si sente più coraggioso, più libero, anche più felice. Preghiamo dunque sempre per tutti. Prions donc toujours pour tout et pour tous. Prions pour nos proches, mais également pour ceux che nous ne connaissons pas. Prions même pour nos ennemis, comme l'Écriture nous invite souvent à le faire. Preghiamo perfino per i nostri nemici, come ho detto. Come spesso ci invita a fare la scrittura. La preghiera dispone a un amore sovrabbondante. La prière dispose à un amour surabondant. Prions surtout pour les personnes malheureuses, pour celles qui pleurent dans la solitude et désespèrent qu'il n'y ait plus un amour qui palpite pour elles. La preghiera compie miracoli. La prière accomplit des miracles. Et les pauvres ont alors l'intuition par la grâce de Dieu que même dans leur situation de précarité, la prière d'un chrétien a rendu présente la compassion de Jésus. En effet, il regardait avec une grande tendresse les foules fatiguées et égarées comme des brebis sans pasteur.
è il Signore della compassione. Notre Seigneur, ne l'oublions pas, est le Seigneur de la compassion. Perché lo stile del Signore, compassione, vicinanza, tenerezza. La preghiera ci aiuta ad amare gli altri. La preghiera nous aide à aimer les autres malgré leurs erreurs et leurs péchés. La persona è toujours plus importante que ses actions et Jésus n'a pas jugé le monde, mais il l'a sauvé. È una brutta vita di quelle persone che sempre giudicano gli altri, sempre stanno condannando, giudicando. Una vita brutta, infelice. Quando Gesù è venuto per salvarci, apri il tuo cuore, perdona, giustifica gli altri, capisci? Sii tu anche vicino agli altri, abbi compassione, abbi tenerezza, come Gesù. Bisogna voler bene a tutti. Il faut aimer tout le monde et chacun en se rappelant dans la prière que nous sommes tous pécheurs et dans le même temps aimés par Dieu un par un, en aimant ainsi ce monde, en l'aimant avec tendresse, nous découvrirons que chaque jour et chaque chose porte caché en lui un fragment du mystère de Dieu. Le catéchisme écrit encore, prier dans les événements de chaque jour et de chaque instant est l'un des secrets du royaume révélé aux tout-petits, aux serviteurs du Christ, aux pauvres des béatitudes. Il est juste et bon de prier pour que l'avenue du royaume de justice et de paix influence la marche de l'histoire. Mais il est aussi important de pétrir par la prière la pâte des humbles situations quotidiennes. Toutes les formes de prière peuvent être ce levain auquel le Seigneur compare le royaume. L'homme, la donna, tutti noi. L'homme, la femme, nous tous. Come un filo d'erba. Et comme un souffle, comme un fil d'herbe. Scriveva. Le philosophe Pascal écrivait, il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Siamo essere fragili. Nous sommes des êtres fragiles, ma sappiamo pregare. Mais nous savons prier. E questa è la più grande dignità. C'est notre plus grande dignité. Et notre plus grande force. Prier en ogni momento, prier en chaque moment et dans toute situation. Et le Seigneur nous est proche. Et quand une prière est selon le cœur de Jésus, elle obtient des miracles. Merci. Le pape vient de terminer la catéchèse en langue italienne. À présent, résumé de l'audience générale en français. Les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le pape François. Chers frères et sœurs, la prière part de la liturgie et retourne toujours à la vie quotidienne, qui est le lieu où le dialogue continue avec Dieu. Tout est assumé dans ce dialogue. Toute joie devient un motif de louange. Toute épreuve est l'occasion d'une demande d'aide et toute pensée peut être imprégnée de prière. Elle communique ainsi au cœur humain
une espérance invincible. Le catéchisme nous enseigne à ce propos que nous apprenons à prier à tout instant, mais surtout aujourd'hui où nous rencontrons le Père. Il n'existe pas de jour plus merveilleux que l'aujourd'hui de notre vie. Et c'est la prière qui le transforme en grâce. Ou mieux, c'est elle qui nous transforme. Chaque jour qui commence, s'il est accueilli dans la prière, s'accompagne du courage d'affronter les difficultés qui deviennent des appels de Dieu, des occasions de rencontre avec lui. Prions donc pour toutes choses et pour tout le monde, même pour nos ennemis, car la prière dispose à un amour surabondant. Prions surtout pour les personnes malheureuses. La prière accomplit en ce sens des miracles, parce qu'elle nous aide à mieux aimer les autres malgré leurs erreurs et leurs péchés. En aimant ainsi ce monde avec tendresse, nous découvrirons que chaque jour et chaque chose porte en soi un fragment du mystère de Dieu. Le catéchisme dit encore que prier dans les événements de chaque jour et de chaque instant est l'un des secrets du royaume. Nous sommes des êtres fragiles, mais sachons prier, car c'est notre plus grande dignité. Et quand une prière est dite selon le cœur de Jésus, elle obtient des miracles. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di darci il gusto della preghiera quotidiana perché si renda possibile il miracolo dell'incontro con il prossimo nella sua sofferenza e nelle sue necessità. A tutti imparto la mia benedizione. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les personnes de langue française. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner le goût de la prière quotidienne afin qu'elle rende possible le miracle de la rencontre avec le prochain dans sa souffrance et dans ses besoins. À tous, j'accorde ma bénédiction. La catéchèse de l'audience générale se poursuit avec les résumés dans d'autres langues. À présent, la langue anglaise. Wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, Radio Vatican, nous l'avons dit, fête ses 90 ans et franchit cette étape importante au beau milieu de la réforme des médias du Saint-Siège voulue par le pape François. Aujourd'hui, la radio parle 41 langues, albanais, amharique, arabe, arménien, biélorusse, brésilien, bulgare, tchèque, chinois, croate, ewondo, espéranto, français, hindi, anglais, italien, kikongo, kinyarwanda, kirundi, kiswahili, latin, letton, lingala, lituanien, malayalam, malgache, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, somali, espagnol, tamoul, allemand, tigrinya, chiluba, ukrainien, hongrois, vietnamien. All our thoughts and activities should be a part of our daily conversation with the Lord. The Catechism teaches that it is in the present that we encounter God, not yesterday or tomorrow, but today. There is no aspect of our everyday lives, however mundane, that cannot be offered in prayer to God and become an occasion of deeper union with Him.
As we come to know Christ more intimately in prayer, our hearts are expanded to embrace in love and solidarity all those around us, above all the poor, the unhappy, and those in need. Blaise Pascal once observed that human beings are so frail that even a drop of water can destroy us. Yet in our fragility, prayer is a mark of our supreme grandeur, for prayer can work miracles in our world, transform lives and history, and serve the coming of God's kingdom of justice and peace. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese. Salut les pèlerins de langue anglaise. Soprattutto in questo tempo di pandemia. Surtout en ce temps de pandémie. Signore, nella preghiera quotidiana. La proximité au Seigneur dans la prière quotidienne. Il mondo intorno a noi. Porte le monde autour de nous. Sulle vostre famiglie. Invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. Sur vous et sur vos familles, j'invoque la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. I invite everyone, especially in this time of pandemic, to draw nearer to the Lord in prayer each day, bringing to Him our own needs and the needs of the world around us. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, Résumé en langue allemande. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz Radio Vatikan fête ses 90 ans, vendredi 12 février, nous l'avons dit. Sa mission a toujours été de ne laisser personne seul et d'apporter l'espérance de l'annonce chrétienne. La voix du pape est une lecture des faits à la lumière de l'Évangile. Outre l'apport des commentaires télé et radio en différentes langues, nous avons créé des nouveaux programmes, des podcasts et des livres audio pour nous rapprocher de tous, pour atteindre tous les recoins de la planète. Au cours de ces derniers mois, en plus de l'information, nous continuons à recueillir et à raconter des histoires de proximité, de soutien, de solidarité. Nous offrons de la spiritualité, nous montrons le visage de l'Église et de cette partie de la société qui construit des ponts et qui, souvent de manière silencieuse, aide et inclut. Zu jeder Zeit, in den Ereignissen eines jeden Tages, wird uns der Heilige Geist als Quelle des Gebets geschenkt. Das Gebet verwandelt das Heute in Gnade. Und jeder Tag ist mit allem, was er mit sich bringt, eine Gelegenheit zur Begegnung mit Gott. Wir sollen stets für alles und für alle beten. Für unsere Lieben, für die Menschen, die wir nicht kennen, auch für unsere Feinde, und für alle in Leid und Not. Das Gebet hilft uns, die anderen zu lieben und erinnert uns, dass wir alle Sünder und zugleich von Gott geliebt sind. Wir sind schwach, doch können wir beten. Dies ist unsere größte Würde. Und wenn ein Gebet nach dem Herzen Jesu geschieht, erlangt es Wunder. Saluto un cordiale. Saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. Io saluto cordialmente i fratelli e le sorelle di lingua allemande. Anche le umili circostanze quotidiane. La prière couvre même les situations quotidiennes humbles. Signore vi benedica tutti. Que le Seigneur vous bénisse. Herzlich grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache.
Das Gebet ist der Sauerteig, mit dem unser ganzes Leben durchdrungen werden soll, auch die schlichten und alltäglichen Situationen. So können wir immer in der Gegenwart Gottes leben, der möchte, dass wir glücklich sind. Der Herr segne euch alle. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle l'audience générale du pape qui se tient ce mercredi 10 février dans la bibliothèque apostolique au Vatican pour des raisons sanitaires se poursuit avec les résumés et bénédictions à plusieurs groupes linguistiques. À présent, c'est le résumé en espagnol, la langue d'origine du pape. De modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, chers frères et sœurs, reflexionamos hoy sobre la oración en la vida cotidiana. El que reza es como un enamorado. Lleva siempre en el corazón a la persona amada, vaya donde vaya. Por eso podemos rezar en cualquier momento, en los acontecimientos de cada día. Prier à n'importe quel moment. La prière est comme la vision d'un amoureux. O en el silencio de nuestro corazón. Incluso un pensamiento aparentemente profano puede estar impregnado de oración. Una profana puede portar en él la prière para que brote el diálogo con él. Y el diálogo con Dios. La oración nos va transformando. Calma la ira, mantiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza de perdonar. En la oración se nos concede la gracia para afrontar cada día con esperanza y valentía, como llamadas de Dios y ocasiones para encontrarnos con Él. Además, la oración nos ayuda a amar a los demás, conscientes de que todos somos pecadores. La nos aide a aimer notre prochain. Personalmente por el Señor. Somos seres frágiles, pero sabemos rezar. Nous sommes des êtres fragiles, mais nous savons prier. Por tanto, recemos por todo y por todos, por nuestros seres queridos. Pour ceci, prions pour tout et pour tous, incluso por nuestros enemigos. Aussi pour nos ennemis, especialmente por los que más sufren a causa del dolor y la enfermedad. Surtout pour ceux qui souffrent, pour les horreurs. Et les maladies. Y amando así este mundo, amándolo con compasión y ternura como Jesús, descubriremos. Aimer le monde avec compassion comme l'a fait Jésus. Un fragmento del misterio de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Je salue cordialement les fidèles de langue espagnole. Patrona de los enfermos. Demain. C'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, patron des malades. De l'âme et du corps à tous ceux qui souffrent à cause d'alguna enfermedad y de la pandemia. Pour tous ceux qui souffrent pour les maladies. À quienes los asisten, los acompañan en este tiempo. Prions pour ceux qui les accompagnent. Que atraviesan en sus vidas. Que Dios los bendiga a todos. Cette douleur, que Dieu vous bénisse. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa conectados através dos meios de comunicação social. Le résumé de la catéchèse du pape en langue portugaise. Afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor de toda a igreja.
No final da audiência, le pape François a rencontré lundi matin le corps diplomatique accrédité pour le Saint-Siège à l'occasion de ses vœux de début de l'année, l'occasion de livrer une réflexion sur les multiples crises qui fracturent le monde, crise aggravée par la pandémie, et de rappeler que la plus grave d'entre elles est une crise des relations humaines et anthropologiques. Ce traditionnel rendez-vous était prévu le 25 janvier, mais a dû être repoussé en raison de la sciatique douloureuse du Saint-Père. Le Saint-Père a rappelé son désir de reprendre prochainement ses voyages, à commencer par l'Irak en mars prochain, un aspect important de la sollicitude du successeur de Pierre pour le peuple de Dieu répandu dans le monde entier, comme aussi du dialogue du Saint-Siège avec les États. Tudo é transformado pela graça de Deus, gerando em nós uma esperança inabalável. Por outro lado, a oração nos ajuda a amar os outros, não obstante os seus erros. Pois quando estamos na presença de Deus, nos lembramos que somos todos pecadores, amados pelo Senhor, e que a pessoa é mais importante que as suas ações. Enfim, na oração enxergamos ainda melhor as nossas fragilidades, mas também a nossa grandeza. Portanto, rezemos sempre, por tudo e por todos, pois a oração, quando feita segundo o coração de Jesus, pode obter milagres. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Il Papa adresse le salutazioni cordiali ai pellegrini di lingua portoghese e ci aiuta a farci vicini a tutti. Que la prière nous rapproche de tous, et même de ceux qui sont différents de nous. Que la Vierge Marie vous aide à être ce signe d'amour envers vos frères, sur vous et sur vos familles, descende la bénédiction divine. Queridos irmãos, a oração transforma o nosso olhar e nos ajuda a fazer-nos próximos de todos, mesmo daquelas pessoas que são diferentes de nós. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal de um amor sem condições no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعون تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتهام البنوي Lors de sa rencontre lundi avec le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, à l'occasion de ses vœux de début d'année, le pape a développé sa réflexion en partant de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur notre monde et les différentes crises qu'elle a provoquées, en mettant en relief les opportunités qui en dérivent pour édifier un monde plus humain, juste, solidaire et pacifique. La première des crises est la pandémie elle-même. Elle a mis les personnes dans une spirale de distance et de suspicion réciproque et a poussé les États à ériger des barrières. Cette pandémie rappelle le droit aux soins dont chaque être humain est destinataire et rappelle la dignité de toute personne humaine, une dignité d'où dérivent les autres droits humains. وواقعنا وتسكب في قلبنا رجاء لا يقهر وعندما نصلي نلتقي مع الله ونتغير فالصلاة تهدئ غضبنا وتسند محبتنا لله والآخرين وتزيد من فرحنا وتفيض فينا قوة المغفرة وكل يوم يبدأ إذا قبلناه بالصلاة صاحبته الشجاعة والمشاكل التي نواجهها لن تكون عائقا أمام سعادتنا بل هي نداءات من الله وفرص للقائنا معه وأضاف قداسته علينا أن نصلي دائما من أجل كل شيء ومن أجل أحبائنا وأعدائنا والبائسين ومن لا نعرفهم فالصلاة تعمل المعجزات ويدرك الفقراء في وضعهم البائس أن صلاة المسيحي
تجعل شفقة يسوع حاضرة كما حدث في زمنه مع الجموع المتعبة والضالة. ودعانا قداسته أن نحب الجميع بالرغم من أخطائهم وخطاياهم، ونتذكر في الصلاة أننا كلنا خطأة، وفي نفس الوقت الله يحبنا. فإذا أحببنا هذا العالم بحنان الله، سنكتشف في صلاتنا أن كل يوم وكل شيء يحمل في داخله جزءا من سر الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Salut les fidèles de langue arabe. Salut les fidèles de langue arabe. Nous sommes des êtres fragiles, mais nous savons prier. Et quand la prière est selon le cœur de Jésus, quand la prière est selon le cœur de Jésus, il produit des miracles. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège de tout mal. لكننا نعرف أن نصلي، هذه هي أعظم كرامة فينا. وعندما تكون الصلاة بحسب قلب يسوع فإنها تصنع المعجزات. ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragnę złożyć polonaise. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z Au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, le pape a évoqué les conséquences concrètes du réchauffement climatique dans de nombreux pays comme les îles du Pacifique ou la zone sahélienne en Afrique, où la crise environnementale se double d'une crise humanitaire de grande ampleur. François a particulièrement fait part de son inquiétude envers le Soudan du Sud, où plus d'un million d'enfants souffrent de carences alimentaires. Le Saint-Père a également développé les conséquences économiques et sociales de la pandémie qui se font ressentir sur tous les continents. Une économie basée sur l'exploitation et sur les rejets aussi bien de personnes que des ressources naturelles a-t-il rappelé, invitant à une nouvelle révolution copernicienne qui remette l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Le pape a aussi évoqué les sanctions économiques qui touchent certains pays déjà fragilisé par des crises humanitaires. Uwielbiania go, dziękczynienia, błagania. Modlitwa jest zawsze żywa, dynamiczna, nawet wtedy, gdy nie mówią usta. Dlatego w różnych okolicznościach często polecajmy Bogu siebie samych, wszystkich nam bliskich, ludzi przygodnie spotkanych, ubogich, samotnych, bezdomnych, potrzebujących, nieznajomych. Także katechizm zachęca nas, byśmy ogarniali modlitwą codzienne sprawy, zwyczajne sytuacje życia. Jesteśmy istotami kruchymi, słabymi i grzesznymi ludźmi, ale zdolnymi do modlitwy. To jest nasza największa godność. Pamiętajmy, że modlitwa zgodna z zamysłem serca Jezusa czyni cuda. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi. Je salue cordialement les fidèles de langue polonaise. Que chaque situation de votre vie soit accompagnée d'un colloque avec le Christ. Même quand vous vous rendez au travail, dans un voyage, soyez toujours en prière et que cette prière devienne votre habitude. Que Dieu vous bénisse. Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Myśląc o codziennej modlitwie, życzę, by w każdej sytuacji życia towarzyszyła wam serdeczna rozmowa z Chrystusem. Nie tylko ta przed Najświętszym Sakramentem, przed krzyżem czy świętym obrazem, ale także ta zanoszona w drodze do pracy, w podróży,
podczas codziennych zajęć. Niech taka modlitwa stanie się waszym dobrym zwyczajem. Serca wam błogosławię. L'audience générale du pape de ce mercredi 10 février se conclut par l'expression en italien qui exprime au pape l'expression de sa fidélité et l'accompagne avec sa prière pour ses intentions de son ministère apostolique. Al termine della quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica rivolta in modo speciale ai bambini, agli anziani, a quanti sono provati da particolari sofferenze. Esprimo la mia vicinanza alle vittime della calamità accaduta 3 giorni fa nel nord dell'India. Aux victimes de la calamité qui s'est produite en Inde, victimes d'une violente inondation, je prie pour les travailleurs défunts et pour les familles désastré par cette catastrophe. Il prossimo venerdì 12 febbraio, molti milioni di uomini e donne celebreranno il Capodanno lunare. A tutti loro e alle loro famiglie desidero inviare il mio cordiale saluto. Le pape esprime ses vœux à ceux qui célébreront le nouvel an lunaire. In questo particolare momento, nel quale forti sono le preoccupazioni per affrontare le sfide della pandemia, en évoquant les défis de la pandémie, ma influisce anche sulle relazioni sociali, qui n'influisce pas seulement sur les personnes, mais aussi sur les relations sociales, possa godere di piena salute e di afin che chacun puisse jouir d'une bonne santé. Di ogni altro bene, ricordo che essi si ottengono con bontà, rispetto, lungimiranza. La prière à la paix s'obtient avec la bonté, la paix, di avere una cura la preferenziale bienveillance verso i più poveri e i più deboli. Et le pape adresse ses salutations aux plus faibles. Un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. In una società che continua ad essere lacerata, j'adresse mes salutations à la population italienne. Siate segno di un progetto di dans une société confrontée à des contrastes, soyez un signe de la présence de la prière quotidienne. Mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati, aux personnes anciennes, aux jeunes, aux malades, aux jeunes mariés. Le pape reprend la solennité de Notre-Dame de Lourdes qui se célèbre le 12 et le 11 février jeudi. Et le pape invite à la prière en cette occasion, surtout pour les malades et les personnes souffrantes. À présent, la prière de notre Père en latin qui sera suivie de la bénédiction du Saint-Père. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, nos in debita nostra, Iudis nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentation, sed libera nos a mal. Domino hobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus. Pater, Filhos,
Spirito Santo. Ainsi donc se conclut l'audience générale de ce mercredi 10 février 2021, à la veille de la fête de la solennité de Notre-Dame de Lourdes et de la Journée mondiale des malades qui se célèbre ce jeudi 11 février. Merci pour votre fidélité. Bonne continuation de la journée. Laudetur Jesus Christus.